Après un long sommeil, c'est reparti pour foutre la merde, vu que c'est enfin la rentrée. C'est reparti pour montrer toute ma niaiserie aux spectateurs. Cette année, ils vont comprendre qui est le personnage le plus insupportable de la série. Et tu peux compter sur la bad bitch qui est en toi. Je suis grave BG avec cette pause, mais je commence à fatiguer là. Si je ferme les yeux, je pense que ça se verra moins. Ouah, taper du chicken spot la veille de la rentrée, j'aurais dû m'en passer, putain. J'ai le fiac en feu. T'es trop moche pour Sasuke, abandonne et laisse-le moi. Ta gueule, me parle pas. De toute façon, il m'aime plus que toi. C'est pas vrai, c'est moi qui l'aime le plus. C'est faux. C'est vrai. 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 Faut souffrir à ce point pour être beau. Tout ça pour des vieilles raclées en plus. Pourquoi Naruto est au bout de sa vie? Ça sent pas très bon depuis qu'il est arrivé en plus. J'aime cette odeur. C'est vrai, je vais finir par la buter, cette pute de Sakura. Qu'est-ce que vous êtes casse-couille comme personnage. L'auteur a jamais pensé à vous faire crever, sérieux? T'y vas pas un peu fort, là? On est juste deux jeunes filles à la recherche du grand amour. Fuck l'amour. C'est pas mal, les arrêts maladie, en vrai. Je me fais coucher après avoir convoqué le grand frère de Sasuke, et hop, je suis payé à dormir. Je devrais faire ça plus souvent. Hé, hey Sakura, t'es chaude de venir au chicken spot avec moi? C'est mort, va crever tout seul. Des ramen alors. Ça, c'est une valeur sûre pour l'estomac. Casse-toi, moi c'est resto étoilé ou rien, mon pote. À part avec Sasuke, lui c'est différent. Là, je pourrais même aller manger des fleurs chez Ino. Mais attends, je voulais juste prendre le temps de... Oh non, ça recommence. Salut les enfants. Je suis ici pour vous présenter les candidats. Expelliarmus. Fils de pute, tu voulais juste montrer que t'es fan d'Harry Potter. Bah quoi, vous n'aimez pas? Je déteste, donc range tes lunettes rondes et viens surtout pas nous dire que t'as une cicatrice sous le bandeau. Je commence à avoir une tendinite au poignet. Mais je dois rester un petit BG Uchiwa Tenebore à tout prix. Putain de chicken spot de ces morts, ils ont mis du plutonium dedans ou quoi? C'est comme si j'avais un démon dans l'estomac, ouais, je sais abuser. C'est quoi ça encore? Fais attention à toi, je suis une spécialiste du genjutsu. Tiens donc. Tu possèdes toi aussi le Sharingan. Comment ça se fait? Je pensais avoir massacré tout le clan Uchi. Non, rien à voir. Moi j'ai juste les yeux rouges. Ah, j'ai cru. Je sais que ça peut prêter à confusion, mais... On dirait que je commence à avoir des problèmes de vue. Mais du coup, ton histoire de genjutsu, c'était vraiment sérieux là? Bah oui, mon arbre, c'était pas mal déjà, non? Et j'ai d'autres trucs, regarde. Mais elle est conne ou quoi celle-là? Sasuke, je voulais te demander une nouvelle fois, est-ce que tu m'aimes? Mais jamais de la vie. Ou alors je t'aimerais peut-être quand t'auras les cheveux blonds et en pétard accompagné d'une dégaine de gros cancres en ensemble Lacoste Orange et quand tu seras dernière de la classe. Mais pourquoi tes critères physiques et intellectuels correspondent étrangement à Naruto? Qu'est-ce qu'elle insinue cette sale... Lâche-moi avec tes questions de merde. Oh, c'est juste une coïncidence. Je voulais pas l'offenser. Te voilà donc, Kakashi, le ninja copieur. En chair et en masque. Qu'est-ce que tu veux, du coup? J'aimerais que tu me montres une des 1000 techniques que tu as copiées. Ok, tu vas être ébloui. Les oiseaux qui crient. J'ai demandé une technique que tu as copiée à une autre personne, et non pas la seule que tu as appris par toi-même. Que j'ai copiée à une autre personne? Prouve ta réputation, Kakashi. La légende dit que je suis le ninja copieur, mais pas que je retenais ce que je copiais. C'est différent. Quelle fraude. Retourne te coucher. Yes. Partage ou like, tu as le choix. Cette fois, ça s'arrêtera pas. Des bêtisiers sur Naruto, y'en a au moins 10 de prévus. Y'en a au moins 10 de prévus.